Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Football Manager. Ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, ça va faire 10 jours à peu près. C'est un plaisir de vous retrouver et là je vais en tourner en boucle parce que en réalité, vous aurez qu'à regarder le teaser sur mes deux autres séries. Vous verrez qu'il y a une raison pour laquelle là je ne vais tourner que du Football Manager et du Farming Simulator, donc ce sera surtout du Football Manager quand même pour être honnête. Allez, on y va tout de suite. Sélection de l'équipe, donc on est favori sur ce match, hein, donc on est en favori, on est à domicile, donc c'est la vie, c'est cool, tout ça, t'as vu. 90% t'es un peu juste mon coco, toi t'es à 91 c'est un peu juste aussi, et toi t'es un peu juste aussi. Tu me mets qui à la place, entraîneur adjoint? Tu me remets Safi-E qui est à 91, je ne suis pas d'accord. Tu vas me mettre un mec qui peut jouer MOC, mais il n'y en a pas. Ah, la blague. Sérieux? Are you serious, dude? Doobie dude. Non mais j'avais bien un deuxième milieu offensif avant. C'est quoi ce délire? Ah bah non. J'ai pas de deuxième milieu offensif, sérieux? C'est embêtant, je vais aller voir en réserve du coup parce que... En U21. Bon, voilà, il a 5 étoiles de potentiel. Allez, tiens, on va le tenter. Hop. Tiens, et puis t'es promu en équipe première par la même occasion. Voilà, comme ça, plus de problème. Tac. Très bien. On va refaire les remplaçants du coup. Voilà. Parfait, garçon. Allez, vendu. On y va. Alors, je sors d'une bronchite, donc je vais pas m'exciter sur les buts de Bang Bang Trijati comme d'habitude. Je vais être plus spectateur. Voilà. Allez, favoris. Les deux équipes sont à l'échauffement. C'est un peu plus long parce que je compresse une vidéo en même temps. Alors, les consignes particulières. Hop. On passe à la causerie. Donc, calmement, je veux une victoire aujourd'hui, les gars. Parce que là, quand même. Allez, assuré. Je veux que l'on soit solide en défense aujourd'hui. On prend le contrôle du milieu de terrain. Et calmement, je veux voir des buts aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Prends la balle, prends la baballe. Attention, hein, tout de suite, là, pression de PSGL. Mais non! Mais non! Le CSC. Oh là 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 là. PSGL qui est troisième du coup, hein. Ah, oh, ça commence bien ce match. On avait si bien commencé la saison. Et là, le CSC qui fait pas plaisir. D'autant plus qu'on a la possession, mais on a strictement aucune frappe. Alors attendez, une action. Trijati, Riyadi, Armawan, Trijati, Armawan. Oh! Dommage. Allez. 64% de possession de balle. On va bien égaliser à un moment ou à un autre. Allez, le corner de l'égalisation peut-être? Voilà, Kérul! C'est ça qui est bon. Et je passe deuxième. Enfin, je reste deuxième plutôt. Bon, c'est un corner, hein, on sait ce que c'est. Voilà. Attention à ça. Pas se faire avoir bêtement, hein. Ouh, il a tiré sur le poteau. Ah non, pas un corner. Non, non. Non, et voilà. Les corners en 3ème division indonésienne, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est pas ça que je veux. Il y a eu un problème là.
C'était pas. C'est les consignes que j'utilisais avant ça? Ça m'étonne un peu quand même. Balancer devant là. C'est pas trop du moi. Allez! Trijati! Oh, oh non, Trijati! Bah si, en fait ça devait être mes consignes, mais ça m'étonne quand même. Ah oui, en fait je peux pas changer. Non mais c'est pas mes consignes. Elles sortent d'où ces consignes-là? Moi mes consignes c'est... C'est ça là plutôt. C'est bizarre. Bon. J'ai jamais mis ces consignes-là, je m'en souviendrai. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période. Offensif, allez. On s'est pris deux buts, ridicule. Enfin, le premier, on se les met nous-mêmes. Oh là là! Oh non, mais là, c'est pas bon là! On passe troisième en plus, hein. Ouais, et j'ai oublié d'enlever Facebook. Ouda. Armawan. Allez, Trijati. Voilà, Trijati. Tu me fais plaisir là. Allez. Non, non, non! Ah ouais, quand même, il y a faute! Ah ouais, ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Allez, faut égaliser là! Enfin, faut marquer, pardon. Oui, enfin, oui, faut égaliser! Allez! Armawan! Passe là, Trijati, il va marquer! Armawan! Kassim! Fikri! Patikawa! Patikawa! C'est ça qui est bon. Ça c'est de la, ça c'est de l'action ça. Ah, sur beau gosse. Alors on va sortir à Houda. Houda il est fatigué, il sort. Il est mauvais en plus donc ça tombe bien. On va faire rentrer Racide et je vais faire rentrer Safi en attaque, en milieu off. Allez, c'est maintenant ou jamais. Non. Oui, Patikawa. Patikawa, tu loupes pas ton duel. Oh, je vais te frapper, mon gars. Allez, le corner. Bien tiré. Penalty, là. Créer le surnombre. Allez, je veux le gagner, ce match. Allez, allez, il y a action, là. Il y a action. Kassim, Fikri. Kassim. Swib. Racide. Fikri, Kassim, Kassim, Patikawa, Patikawa, penalty, voilà! Mettre en normal, en espérant qu'il le mette, c'est bang bang! Bang bang! Bang bang! On a été mené 3-1, on va peut-être gagner 4-3, c'est extraordinaire! Attention, pas de bêtises, hein. Pas de bêtises, les garçons. Pas de bêtises, les garçons. Pas de bêtises. Racide, pas de bêtises. Swib. Fikri. Siafi. Oh oui! Patikawa avec Trijati. Oh, c'est superbe! Superbe, Trijati! Oh, le triplé de Trijati! Oh là 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 là! Faut que j'arrête de crier. Ça fait ressortir mes bronches. Trijati et pan. Oh ce R1 carré de l'amour. Et voilà.
On gagne 5-3, c'est pas beau ça? Oh, je suis content! Véhément! Quelle réaction! Trijati, alors là, je sais même plus quoi dire. Waouh! Bravo, mec! J'aime bien parce que du coup, il est déconnecté et je lui ai dit qu'il était trop fort. Aïe aïe aïe. Allez, on se retrouve tout de suite contre Persitara, je vais juste regarder leur classement. Alors, Persitara, ils viennent de gagner 5-1 sur un quintuplé d'un gars. Demandez le rapport. Et au classement, ils sont premiers. Ah bah voilà, j'avais pas fait gaffe. On joue contre les premiers au prochain match. Ouh, le match clé déjà. Allez, à tout de suite. Allez, donc Persitara. Attention, le club. Le club à l'extérieur. Le premier. On joue le premier à l'extérieur, ça va être un petit peu chaud quand même. Mais on va s'en sortir. Moi, je vous le dis, les garçons, on va s'en sortir. Parce qu'on est des mecs bien, nous. Alors, en revanche, il doit y avoir un problème sur les. Tiens, d'ailleurs, ça me donne envie d'aller voir quelque chose. Tactique. J'ai vraiment mis ce que j'ai mis dans les consignes ou quoi? Ah non, voilà, vous voyez, j'avais pas mis ça. C'était bien un bug. D'accord. On est en jaune. C'est rare. Ouais, je sais pas pourquoi il y avait ce qu'il y avait avant là. C'est chelou. Bref, peu importe. Je vais mettre en normal et je vais leur dire calmement qu'ils se souviennent du dernier match et qu'ils continuent sur leur lancée. Et je reviens parce qu'il y a l'interphone qui sonne. Allez, c'est parti. Alors, j'y crois, hein, j'y crois. Hein. Parce que si on gagne ce match, on est bien. Moi, je vous le dis, on est bien. Si on le perd, on n'est pas bien. Si on le gagne, on est bien. Alors, pour l'instant, on domine largement le match. Je vais juste mettre. Est-ce que j'ai emmené le ballon? J'ai déjà emmené. Non, j'ai pas mis emmené le ballon dans la surface. On y va. Je réussis pas trop mes têtes, hein. Bah, j'ai déjà mis ne pas balancer en défense. Donc. Ah, Pugiono blessé. Alors, attendez. Attention, Prasetio qui dégage. Alors j'espère que ça va être pour moi. Ah bah non. J'ai peur. Ah, on récupère la balle. Ça, je suis content là. Ouda. Ouh là là. Oh ouais, non. Oh oui, Siafi. Oh, Trijati. Trijati, cours mon Trijati. Le centre. Patikawa. Oh, voilà. C'est bon ça. Ça envoie du rêve. Trijati, qui n'est pas seulement un super buteur, mais également un super passeur. Alors qu'en termes de stats, c'est un de mes plus mauvais joueurs, hein, comme quoi. Ça va rien dire. Tellement balèze. Alors calmement, je vais leur dire que c'est bien joué. Non, calmement, je vais leur dire qu'il faut pas croire que tout est dans la poche. Voilà. Kassim. Qu'est-ce qu'il me fait là, Kassim? Tu fais n'importe quoi, mon gars. Bah, je passe la balle comme ça. Oh là, ça sent la coteau. La coteau, la coteau, la coteau, la coteau, la coteau, la coteau, la. Oh. Oui! Fikri, Patikawa, Siafi. Avec Fikri, Trijati, Trijati. Et il y va de son petit but. Bang, bang, Trijati. Voilà. Boum, chikawawa. Trijati, Swib. Trijati, Fikri. Trijati. Ouh, la parade du gardien. Fikri. Le match se passe très 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 bien. Ouda, Swib, Dolet, Abdila, Souta.
Sweeb. Patikawa. Lâche ta balle! Fais en 3 fois 1. Fikri. Allez. Oh! Alors, Souta. J'aime bien parce que le remplaçant de mon défenseur central a pris un coup. C'est incroyable. Je vais mettre Sweeb en défense et je vais faire entrer Racide à la place de Souta. Et on va faire sortir Ouda. Allez, on va blinder la défense. Et bah voilà, une belle victoire 2-0 contre le premier chez eux. C'est propre. Véhément. Je suis très content du résultat et de votre prestation. Trijati, encore un du match. Extraordinaire. Extraordinaire. Bang Bang, c'est mon héros. Eh bah c'est bien. Allez, au prochain match, on compte PSPP. Alors PSPP au classement, ça donne quoi? Alors au dernier match, ils ont perdu 4-0. Contre le dernier. Ouh, et PSPP donc. Qui est quatrième, ils ont perdu 4-0 contre le dernier au match d'avant, chez eux. Très bien, très bien, très bien. Eh bien écoutez, à tout de suite. Pour ce dernier match de l'épisode. Alors, donc 91%, tu sors. Les autres, ils sont OP. Et on va mettre... Non, je vais mettre Kerul à la place, tiens. Bon, on va voir qui me met, tiens. Ouais. Je pense qu'il va me mettre Kerul. What? Mujonio, mais il peut pas jouer le poste, mais t'es débile, non, je mets Kerul. Je vous jure. Très bien, et bah écoutez, on est vendu. Allez, c'est parti. Donc on est favori, donc je me laisse en contrôler. Je vais leur dire que j'ai une victoire, mais calmement, je suis pas favori de malade non plus. Donc... Calme. Allez, voilà. Bon, en plus, vous avez perdu la dernière fois, donc ça leur fait vraiment un motif. Ouais. Alors. Hop là. Allez, let's go. Alors Fikri est déjà blessé, donc on va le remplacer. Riyadi à la place. Là ils prennent des coups mes joueurs. Hein. Ouda a pris un coup aussi. Ils y vont bourrin les mecs en face. J'ai 70% de position de balle, je vais me mettre en offensif, c'est pas possible. Alors ça doit jouer défensif hein, à fond. J'ai des frappes et tout, mais ça. J'ai pas d'action. Allez, chercher la revanche. Patikawa, Riyadi, Kassim. Allez. Sweeb. Riyadi, Patikawa, Siafi et Pan. C'est bon ça. Voilà. C'est ça que je veux voir. Et si ça reste comme ça, on prend 6 points d'avance sur le troisième. Et ça, c'est cool. C'est très 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 cool. Siafi, il a puni. Hein. Bon! Alors, je vais remplacer Ouda qui s'était pris un coup au début du match et qui est à moitié mort. Et je vais blinder le milieu en mettant Racide. Allez, on tue le match. Sweeb. Trijati, Siafi, c'est pas fini, Sweeb, Ouda, Trijati, Sweeb, Siafi, oula attention, on récupère, Sweeb, Patikawa avec Siafi, oh dommage. Je vais mettre en normal parce que les joueurs commencent à être un peu fatigués. J'ai pas envie d'une mauvaise surprise là en fait.
J'ai un peu peur de cette action là, pour être honnête avec vous. Ce serait complètement du vol, mais. Ouf! Ouf, 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 ouf! Ça aurait été tellement du vol! Attention au corner quand même qui suit. Allez, récupère la balle. Voilà, défonce-le. Attention, il y a action de but. C'est dégagé. Dégage-la loin, s'il te plaît, Abdila. Voilà. Très bien. Parce que là, les joueurs sont crevés. Attention, encore une action. Récupère la balle. Non, 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 non. Oh là là, c'est but ça. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Offensif, essayez d'aller gagner le match là. C'est du vol. C'est relou. Ah ouais, les joueurs, ils sont morts là, regardez. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont cuits, ils sont cramés les joueurs. Et je sais même pas pourquoi. Bon, on a fait. C'est pas mauvais comme score, parce qu'on ne perd pas, mais. Enfin, franchement, je suis déçu de la fin de match, quoi. Ah ouais, c'est le genre de rencontre qu'il faut remporter, là. C'est pas normal, ça. Ils sont cuits, mais complètement cramés. Prochain match contre Persiju, ils sont 10e. Bon. Alors, du coup, comme ils sont complètement cramés, je vais leur mettre. Cette semaine, là, je vais leur mettre niveau d'intensité très faible, parce que. On va faire priorité préparation parce que bon. Punaise, c'est relou. C'est relou et complètement mort, les gars. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on est à 4 points devant le troisième, ça va, c'est pas. Ça va, on est quand même. On a de l'avance, c'est bien. On est les seuls en Indonésie à ne pas avoir. Ah, si, il y a Persibom qui a pas perdu un match aussi, mais sinon, on est les seuls à ne pas avoir perdu un match avec eux. Ok, très bien. Et eh ben écoutez, c'est tout pour cet épisode. Donc encore 2 victoires, un match nul. Donc bon, on est plutôt sur la bonne voie. Et je vous retrouve au prochain épisode où on jouera Persiju. Donc ils sont 10e. On jouera PSSB. Ce sera un match important parce qu'ils sont 4e. Et PSP, ils sont 11e. Donc normalement, un épisode facile. Mais rien n'est jamais facile en 3e division indonésienne. On a appris ça en ces 3 dernières années. Bref, à la prochaine. Ciao, ciao.